Tu vois, pour moi, quand on se remet en cause, on prend surtout un recul par rapport à nos propres pensées, à ce que notre Mais manière de évidemment, fonctionner. Qu'est-ce que on tu penses de... se libère, c'est aussi simple que ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt de la méditation par rapport à ça? Mais alors, tu sais, aujourd'hui c'est assez marrant. Tu vois beaucoup de gens qui disent, oh là là, le coaching, c'est pas bien. C'est tous ces gens qui voulaient avoir un contrôle sur autrui. Ah, le coaching, ça nous envahit. Désolé, je vais citer Burton une énième fois. Mais il ouvre son grand poème par le développement personnel est seul et suffisant comme but de l'existence. Le développement personnel est seul et suffisant comme but de l'existence. Il n'y en a pas d'autre. L'humain est là pour apprendre. C'est tout. Donc, ça inclut de digérer de la connaissance, mais de la connaissance plutôt de la compréhension au contact réel. La vraie vie est une grande leçon que nous n'avons jamais su émuler. Les gens qui performent aux académies militaires sont souvent des tanches absolues sur le champ de bataille. La première chose que tu vois disparaître sur des gens qui vont vraiment au combat, c'est toutes les conneries du bouton de guêtre, est-il à la bonne place, la cravate est-elle bien en double Windsor, etc. Toutes ces conneries-là, ça disparaît sur un champ de bataille. C'est la même différence entre la vie notée et la vraie vie. Donc, le développement personnel seul est suffisant en but de l'existence humaine. Point. Et la méditation, dans ce cas-là, c'est l'instrument idéal du développement personnel. J'ai fait récemment une cérémonie de l'ayahuasca. Et la cérémonie de l'ayahuasca te fait passer par une expérience où tu perds ton corps. Et tu comprends exactement ce que c'est que on a un corps pour une période fixe, pour une période limitée, très limitée. Et vraisemblablement, on a un esprit pour une période illimitée. En tout cas, toutes les religions abrahamiques s'accordent là-dessus. Et toutes les spiritualités, c'est même le principe d'une spiritualité, s'accordent là-dessus. On vit à une époque infiniment matérialiste, et ça explique le succès de Marx, si tu veux, dont la totalité de la philosophie est basée sur le matérialisme. Puis Hegel avant lui, mais le matérialisme. Donc on vit à une époque où toutes les autorités nous disent matière, 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 matière. Bon. Et évidemment, ça ne peut être, cette époque-là ne peut aboutir qu'au transhumanisme, ne peut aboutir qu'à comment prolonger la matière. Comment prolonger la matière? Malheureusement, notre compréhension matérielle de l'univers, elle est assez ridicule. Hein. Bon, on vient de découvrir à peine la matière noire, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, on ne sait pas trop comment elle fonctionne. Mais voilà, on est entouré de haut-parleurs qui crient matière. Et ça ne peut mener qu'à un mal-être profond, puisque la matière, elle va mourir. Bon. La matière, elle n'est pas éternelle, elle va mourir. Bon. Et voilà, ça ne peut créer qu'une dissonance. Alors, soit tu l'ignores, tu dis, Yukaida, j'y pense pas. Soit tu t'essaies voilà, de te faire cryogéniser, t'essaies. Et puis, du coup, paradoxalement, tu vois, quand tu dis matière, 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 bah, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est Montaigne qui a dit ça. Donc, t'élimines toute philosophie. C'est le harakiri de la philosophie, le matérialisme. Parce que. C'est la philosophie qui se suicide, puisque tous les philosophes te disent philosopher, c'est la mort. Philosopher, prépare-toi à mourir. C'est ça la philosophie. C'est le stoïcisme. C'est mourir avant C'est de le... mourir. Mais oui, mourir avant de mourir. Et que, aussi bien, tu vois, Mahomet disait, mais que tous les grands sages. Et là arrive une sorte de substitution du matérialisme qui prend la place de la sagesse et qui dit non, non, matière, 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 il n'y a que ça. Et eh bien, ça mène nulle part. Enfin, ça nous mène à l'impasse aujourd'hui spirituelle que Guénon avait très bien comprise, qui a une sorte d'enfer. La méditation est une sortie de ça. C'est ce qu'ont parfaitement compris les bouddhistes, dont le seul métier est de préparer comment dire, au défi que l'esprit aurait sans corps. C'est ça, enfin, le métier du bouddhisme, c'est ça. Hein. Le métier du bouddhisme, c'est les nobles vérités du bouddhisme, c'est la souffrance existe. Bon. La souffrance existe et c'est l'esprit qui la cause. C'est pas les conditions matérielles qui causent la souffrance, c'est l'esprit. C'est très dur, il faut 20 ans, parfois toute une vie pour comprendre ça. Et la première réaction des gens quand tu leur dis ça, qui ne sont pas évolués spirituellement, c'est de dire « Mais pas du tout, tu vois bien que... » Là, la confrontation, c'est plus facile de pointer du doigt à l'extérieur que de pointer vers soi. C'est la première constatation des bouddhistes, c'est l'esprit qui cause la souffrance. Les conditions matérielles extérieures sont inférieures à la souffrance que peut te causer ton propre esprit, même si tu es plein aux as, même si tous tes besoins de Maslow sont vérifiés. Tu peux être dans un état de souffrance absolument indescriptible si ton esprit t'y met. Et donc contrôler ton esprit,
en faisant les bons mouvements. Quand tu fais une cérémonie de l'ayahuasca ou quand tu étudies la religion égyptienne, c'est chez les musulmans, la religion égyptienne est la base de la spiritualité d'Abraham. Chez les musulmans, Abraham construit la Kaaba. Donc c'est ça qui est assez marrant ou triste ou tragicomique, c'est que la Kaaba est un, pour les musulmans, la Kaaba est un haut lieu du judaïsme. Abraham, qui est le plus grand prophète du judaïsme avec Moïse, c'est lui qui crée la Kaaba selon les musulmans, après avoir été initié au mystère égyptien. Et ces mystères égyptiens, c'est la mort. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vraisemblablement, les Égyptiens savaient préparer une boisson comparable à l'ayahuasca. Puisque l'ayahuasca, c'est de la DMT, donc diméthyltryptamine, qui est produite par la glande pinéale, donc l'épiphyse qui libère cette hormone quand on rêve. Donc c'est l'hormone du rêve, et c'est pour ça que les Indiens appellent ça la liane de rêve. Et la DMT, on en trouve dans l'écorce de certains acacias. Okay. Et ce qui est assez marrant, c'est que un des signes de reconnaissance de la plupart des francs-maçonneries, c'est de dire l'acacia méconnu. L'acacia méconnu. L'acacia qui est le symbole de fraternité, mais chez les Égyptiens, il y avait certains mystères où on préparait une décoction à base d'écorce d'acacia qui produisait de la DMT. Et vraisemblablement, moi je ne peux pas imaginer qu'ils n'aient pas trouvé en 4000 ans d'histoire égyptienne quelque chose qui faisait que cette DMT durait plus longtemps, puisque c'est ça l'ayahuasca, c'est de la DMT plus quelque chose qui inhibe l'enzyme. Enfin, attention, je dis c'est ça matériellement. C'est toujours pareil, cette civilisation, matière, matière, matière. Voilà, pour les gens. On reste conditionné à. Et pour les gens qui peuvent parler que le langage matériel, voilà ce qu'est l'ayahuasca, c'est de la DMT plus quelque chose qui inhibe l'enzyme, qui la dégrade. Et les Égyptiens, je pense très certainement, avaient trouvé un inhibiteur de l'enzyme également. Mais donc c'est marrant, enfin, chez les Égyptiens, il y avait ça aussi. Donc toi, tu recommandes aux gens de tester cette expérience pour découvrir certaines choses? Non, pas aux gens, non. C'est sur mesure. Justement, tu vois, c'est ça. L'Occident adore la conformité. Parce que tout son pouvoir matériel vient de sa capacité à standardiser. Mmh. Tu vois, ça commence avec l'arsenal de Venise. On commence à standardiser des pièces. En réalité, ça commence déjà chez les Carthaginois, qui étaient les Phéniciens occidentaux. Les Carthaginois avaient des méthodes de construction navale qui étaient standardisées. Les Vénitiens vont les poursuivre, même si c'est sans doute pas par influence directe, mais il y aura l'arsenal de Venise, qui est un des grands précurseurs de la standardisation. Puis bien sûr, après, la taylorisation, le fordisme, etc. L'Occident adore la standardisation. L'Occident a une passion. Tu sais, Bouddha disait « le poison, c'est la dose ». Enfin, ça, c'est Paracels réellement, mais Bouddha avait la même définition de ce qu'est un poison. Tout ce qui est excessif est un poison. Et l'excès de standardisation de l'Occident le met dans ce vide spirituel profond qu'il est en train de vivre. Parce qu'il nous rend plus uniques. Il faut en sorte qu'on rentre tous dans la même boîte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, et c'est ce qui crée ce malheur permanent. Donc, l'approche immédiate d'un occidental vis-à-vis de quelqu'un qui lui témoignerait d'un certain enthousiasme pour l'initiation spirituelle de ces chamans, bah, serait dire « Ah, il faut tous le faire, on devrait tous le faire !» Tu sais combien de fois tu entendras cette expression « On devrait tous le faire !» Non, 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 l'ayahuasca, il ne faut certainement pas que tout le monde le fasse. Il y a des milliers de chemins spirituel, qui... non mais même pas avant, ouais. T'as des gens qui attaquent, tu n'as pas besoin. Enfin, le Dalai Lama, il a jamais pris d'ayahuasca de sa vie, il a un level spirituel. C'est... Je parle du principe, t'as juste besoin de l'air. Parce que personnellement, j'ai pas fait de l'ayahuasca, mais j'ai fait différentes substances, plein, des légales, des illégales dans différents pays. Tu peux le faire sans substance, je veux dire, la définition de Mola Dopiazza, c'est les définitions soufis comiques, disait la drogue, c'est la source d'illumination des ignorants. Mais pour les soufis ignorants, c'est à double sens. Parce que par exemple, l'émir Abdelkader, très grand soufi, il étudiait un passage du Coran, il disait « L'homme est injuste et ignorant ». Il disait « Oui, mais à un niveau de lecture, ignorant, ça peut être une... » Ça peut être bénéfique dans le sens où on est ignorant, donc on fait en sorte d'apprendre. Exactement, tu es dans l'état d'ignorant, donc tu te dis que tu veux apprendre, je sais que je ne sais rien. Et puis, tu vois, qui nous va de Socrate à Jean Gabin. Jean Gabin a fait toute une chanson là-dessus. Hein. « Maintenant, je sais que je ne sais rien ». Donc, c'est cette Sophia Perennis, cette sagesse universelle qui a des résurgences en permanence. Mais non, tu peux atteindre l'illumination spirituelle sans aucune substance, évidemment. Juste avec l'air qui nous entoure. Moi, je pars du principe que tout est à disposition. Même en dehors de l'air, je veux dire, tu concentres la méditation. Enfin, c'est ça. C'est, oui, les mouvements respiratoires, c'est très important. Bon, les yogis,
Les bouddhistes, ça c'est clairement, te disent que les mouvements respiratoires, c'est un moyen excellent de calmer son esprit. Mais voilà, pour l'ayahuasca, je ne recommande absolument pas à tout le monde d'essayer. Moi-même, j'ai attendu 5 ans. Donc tu pensais depuis 5 ans avant de passer à l'action? J'ai Plus ou rencontré moins? des chamans pendant la quinzaine amazonienne à Paris. Et j'ai rencontré des chamans qui savaient préparer l'ayahuasca. Et ils m'ont soufflé dans le nez le tabac râpé, le fameux Ouais. tabac râpé. Et t'as fait la cérémonie des 30 abords? Alors, non, j'avais T'as juste juste fait le fait une, râpé? voilà, juste le Ok. râpé. Et en fait, tu sais que sous ayahuasca, à un moment donné, on te le refait pour te, si jamais tu pars trop, etc., ça peut être un moyen de te remettre les idées en place. Et j'avais juste fait ça, voilà, une fois. Je me dis, non, l'ayahuasca, j'ai pas envie d'essayer parce que j'ai un chemin et pour l'instant, ça serait un écart trop grand. Bon. Et puis, j'étais crevé, etc. J'étais au Brésil, j'avais beaucoup de stress. Ensuite, j'avais beaucoup de boulot. J'écartais d'anciens associés complètement incompétents d'une autre boîte. Enfin, tu sais, c'est beaucoup de fatigue. Et je me dis, tiens, je vais essayer. Et effectivement, ça m'a servi, ça m'a apporté des choses. Mais il y a d'autres personnes, tu sais, il faut se prémunir de l'ésotourisme. L'ésotourisme, ça peut être très dangereux, tu as des gens qui meurent, parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts. L'ayahuasca, c'est une épreuve, hein, ça a rien de récréatif. C'est pas un truc, c'est pas la route des vins, quoi. C'est pas t'essayes, pouf, tiens, je vais essayer ce Château-Aubrion. Non, non, non. Si t'es pas prêt, c'est pire que la douleur physique. La douleur spirituelle que tu peux subir quand tu es sous ayahuasca, elle est à un level tellement indescriptible que je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Hein. Donc, c'est. Non, non, je ne recommande absolument pas à tous les gens d'essayer. Non, non. À eux de faire leur propre expérience de leur côté et s'ils ressentent cet appel d'y aller. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Idriss. La méditation a son intérêt. Si tu veux mieux te sentir, mieux comprendre les choses, quelle que soit la raison qu'il y a derrière, je te recommande fortement d'apprendre à méditer. Mais peut-être que tu ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai la solution pour toi. J'ai confectionné un guide gratuit sur la méditation et tu peux le télécharger dès à présent totalement gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Donc je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ça, tu vas voir, tu vas adorer et cela va fortement t'aider. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.